Cette fresque raconte l'histoire de Sobek. Le dieu Sobek régnait sur beaucoup de choses en fonction de l'auteur. Les historiens grecs ne sont jamais vraiment tombés d'accord. Les Grecs, cette société de parvenus existe toujours, ou sont-ils morts à force de discuter? Ok, Horus, on verra plus tard pour le cours d'histoire. Regardez, on trouve certains de ces noms. Hérissé de dents, celui qui mange... Cette fresque le présente comme le dieu du Nil et de l'eau. Et cela correspond au pouvoir dont Seth dispose à présent. Venez, nous devons arrêter ces inondations. De préférence. Vu la tête de ce pont, il va falloir foncer. Pas être trop difficile. Maintenant, un peu de nage à contre-courant. Thank you.
va falloir être très précis. Il faut continuer, quel que soit le risque. Nous y sommes presque, mais les eaux montent. Le fragment d'Osiris, je le sens près d'ici. Doucement, ne nous précipitons pas. Tant que nous n'aurons pas les pouvoirs de Sobek, il faudra s'habituer à nous. Vous avez entendu ?
courez! On va retourner au sanctuaire avant de finir englouti. Ça pourrait être utile. Je parie que vous avez toutes sortes d'artefacts anciens chez vous. Pas besoin de celui-là, quand même. On ne sait jamais, Carter. Je le garde en attendant.